Hey, 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 kéké mes petits kéké, bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade. Non, du Ugly to Beauty Legacy Challenge. C'est bientôt l'anniversaire de Solveig. Ouais, ouais, ouais. Et toi aussi, tu vas faire des bébés. Trop bien, hein, ça va être bien. Elle va se lever, elle clignote. On l'a fait grandir, on l'a fait se faire mettre en cloque. Dis, aïe, comme ça, ta 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 ta. Elle va nous pondre des ch'tiards comme une mitraillette. Ça va être magnifique. Sachant que c'est la dernière héritière et que ça fait longtemps que j'ai commencé ce let's play. Et oui, moi, je ne fais pas un let's play sur 6 générations en 20 épisodes. Je prends le temps et on arrive à 120, on va arriver à 130. C'est énorme, mais j'espère qu'en tout cas, vous aurez pris du bon temps avec moi. En tout cas, moi, j'ai adoré le faire. Et j'ai hâte de voir quand même les enfants de Solveig, s'ils auront les yeux du démon ou non. Parce que je n'aime pas les yeux du démon. Et alors, il nous reste Tilda, Solveig et bien sûr notre Odile. Odia, dis-moi, et on va aller voir un peu si les filles ont accouché ou pas. A priori, non. Ah, l'arbre généalogique a un peu de mal là, à se loguer. Allez, 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 je pédale, ça va aller plus vite. Oi, 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 oi. Norman, Mary, il reste Nantilde qui est encore en vie, mais elle n'aura pas pour très longtemps, je pense. Philippine n'a pas encore mis bas. Ah bah dis donc, Elijah, il a eu... Mais comment il peut avoir... Ah mince. Bah dis donc, il a mis enceinte sa copine juste avant de mourir. Qui est donc... Qui? Caroline Bissani, qui était mariée. D'accord, mais en fait, ils n'arrêtent pas de faire des gamins les uns avec les autres, là, dans ce... Vive le MC Commander, hein. Rosemonde, qui était la première enceinte, n'a pas encore accouché non plus. Donc, il faut qu'on s'arme de patience. C'est le jour de l'an, c'est cool, c'est très bien, on va faire la fête, on va inviter les futurs copains. Ah, Solveig est réveillée, est-ce qu'elle clignote? Elle clignote, on va sortir le gâtal, comme d'hab, je crois qu'on a toujours un gâtal de près, hein. Oui, le gâtal avec bougie, et puis ça va être la fête, l'anniversaire de Solveig. Alors, on va appeler qui? Comme ça, on sait directement... donc j'avais mis une option. Ah bah oui, c'est vrai qu'ils sont pas jeunes adultes. Mais ça c'est con. Ah ça c'est très con quand même. Je m'étais dit que... Oh oh oh, fou fou fou. Bah il faudra que je vois s'il y a des jeunes adultes dans le coin. Parce que là il faut que tout de suite maintenant... Ou alors on les fait grandir. C'est une option aussi. Toi, c'était toi. Tu vas l'inviter? Ouais, on va commencer avec elle, avec la petite Mila. On va la faire grandir, parce que je pense qu'elle est ado. Et puis, on va lui faire faire un... On va lui faire crac-crac, quoi. On va se mettre en couple avec elle. En plus, elle arrive. Ouh, la coquine! Elle sait déjà que ça va lui plaire, ce qui va lui arriver. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, mais... What? Pourquoi aller dans les toilettes? Partager des idées? Faire connaissance? Propose un plan fou. Et puis tu vas doucement la draguer. Toi, tu vas, va manger. Va manger, Tilda, s'il te plaît, ma belle. On te fait un selfie. Tu sais ce qui va t'arriver, toi, hein, hein? Miss Big Boobs. Oh merde. Ok, on se connaît pas encore assez. Tu vas être sympa avec elle. Tu vas. Voilà, tu vas chanter une chanson de Ferrier. Rire d'embarras, voilà, c'est bien. Ah, la salope, elle a tout skippé ce que j'ai demandé. Oh, va manger, t'es chiante. Allez, va bouffer, ça ira mieux. Bon, alors, elles sont bonnes amies. C'est ce que ça a monté. Ah, oui, 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 ça a monté un petit peu. Ça a monté un petit peu. Allez, attaque, Solveig. Ah, saloperie! Oh, c'est pas vrai. Je raconte une histoire. Ah, oh. Elle est relou, hein, quand même. Elle est un peu relou à choper, hein, la meuf. Bon. Tu vas te rattraper après. Tu vas même te rattraper avant, parce que sinon... Et tu fais un toast après. Ah. Moi, je dis qu'elle a quand même... Un petit bord mignon, hein. Tu vas aller aux toilettes après. Tu la dragues encore un petit peu et après tu vas aux toilettes.
T'inquiète pas, ça va aller. Non, la biatch! La biatch! Elle nous aura fait traverser toute la map et en plus maintenant elle grandit. Alors active créative et j'en ai aucune idée. Adore la nature. Allez, c'est parti. Allez, tu peux rentrer à la maison parce que de toute façon. Oui, tu veux discuter? Allez, vas-y, discute. On va la rappeler après, c'est pas grave. On va la faire vieillir et tout. Ah, tu vas peut-être te faire pipi dessus. Il faudra peut-être faire un petit pipi dans un arbuste avant. C'est bon, elle revient. Wouhou! Qu'est-ce que tu fais? Va te faire une beauté là. Faut que tu sois irrésistible. Mais tu l'es déjà, mais comme elle est un peu relou, la fille, et ben voilà. Faut user de la ruse. Allez. Maintenant qu'elle est revenue, faut la faire vieillir et l'attaquer sévère. Ouais! Allez! Elle dit, quoi? Super, elle va devenir jeune adulte! On va pouvoir faire des trucs avec elle. Du coup, tu pourras raconter des ragots. Mais si tu peux, arrête, hein. Commence pas. Hein. Et poser une question risquée. Voilà, et tu vas remettre ça. Voilà. Regardez-moi ça. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça vient, ça vient, ça vient. Oui, premier bébé, quasiment. On y est presque là. On est à un petit bout là. On est à un petit bout et ce sera. Elle sera enceinte déjà. Ah! J'espère. Une petite pause sexy par-ci, une petite pause sexy par-là. Et d'un seul coup, c'est le drame. C'est un premier baiser. Oui! Perfect! Ne bougez pas, les filles. Ok, non. Il faut déjà que le truc là se termine. Tu vas la draguer juste après. L'interaction se termine pour que ça valide. Voilà. Ok, et hop! Un bébé. Et encore un bébé dans le placard. Allez, on perd pas de temps, les filles, hein. Tout le monde est ravi. Et moi aussi. Ouh, hop là. Ah non. Franchement, on met pas des pincettes. Là, on y va franco, du collier, hein. Et une deuxième. Acte 2. Dernière génération est-elle en route, ça y est. Oh, oui, j'espère. Ah, oh, je l'espère, je l'espère. On croise les doigts. Et elle regarde ce qui se passe. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Glousser. Je savais pas qu'ils pouvaient faire ça. C'est rigolo. Oh, Dill, t'as fini le bouquin, oh, Dill, c'est bien. Tu vas. Non, pas auto-publier, non. Vendre un éditeur. Voilà. Après, tu prendras pas le courrier parce qu'il y a déjà tout ce qu'il faut. Et après, tu pourras manger et aller aux toilettes. Oh là là, ça s'éclate là-dedans. Et elle continue à regarder. Ouh là là! C'était chaud. What the fuck? Elles sont buggées, les filles, à l'intérieur du placard. Regardez! Ah, c'est horrible! Parce que depuis tout à l'heure, elles sortent pas. Et voilà quoi, c'est flippant. Pourquoi elle va lui dire quoi? Au revoir. Ok, très bien. Alors, confirme-nous, s'il te plaît. C'est une victoire pour Solveig, la dernière héritière. C'est la toute dernière génération, donc on va attendre que cet enfant au moins deviendra ado. Oh, ma main, ça lui dit du coup. Pour qu'on puisse valider le challenge, surtout voir leur tête, quoi. Donc, ouais, voilà. Et voilà, il est minuit, c'est le printemps. Et les filles n'ont pas regardé la télé pour le truc du nouvel an. Bah oui, meuf, bah oui, mais t'as été lente comme pas deux. Donc, vous allez vous plaindre, allez, va te coucher, va. Oh là là, après, toi aussi, t'iras te coucher. Et toi aussi. Voilà, on aura fait une bonne chose. Maintenant, on attendra la naissance de cet enfant prodige.
Et puis que la petite là partira aussi avec un bidou, avec un bébé dans le bidou, évidemment. Oh, c'est trop mignon, c'est le printemps de nouveau dans notre maisonnée. Bon, bah après, c'est un dimanche, donc ça va être tranquille ou bilou, quoi. Oh my god! Rosemonde a accouché! Alexandra! Et Lola! What? Odile et grand-mère! Oh non, elle a vraiment eu des jumeaux! Je suis choquée! Je suis trop choquée! Elle avait... C'était qui déjà son mec? Ah oui, c'était lui! Ah bah, c'est dommage, parce que pour une fois qu'il y a des jumelles, sans triche, sans code, sans... Surtout sans truc, là... Trait de terrain, vu qu'il marche une fois sur deux. Mais oh my god, elle a deux petites filles. Bon, je sais pas si elles sont belles, hein, mais voilà. Maintenant, on va attendre que Philippine grande accouche aussi. On va peut-être aller les voir, tiens, ce dimanche. Franchement, on dirait pas une grand-mère, hein. Toute belle et toute jeune qu'elle est encore, Odile. Ah, on a encore reçu plein de sous. C'est parfait. Stop. Tiens, t'en prendrais une petite part aussi, des fruits grillés. Alors que. Notre Solveig a déjà des boobs énormes, donc ça promet. Ok, donc en gros, Alexandra a très faim. Lola a très faim. Bah oui, mais je ne peux pas aller dans cet appartement. C'est l'appartement de Marois, mais en fait, je ne peux pas demander à y aller. Je sais pas. Elles ne veulent pas venir ici. Et on entend les bébés pleurer, hein. Mais on ne les verra jamais, je pense. Ah non! Et puis il y avait en bas, il y avait Philippine, mais. Je comprends pas! On peut pas aller dans cet appartement. On peut y vivre, hein? Ah bah bébé, il y a quelqu'un qui est là, mais on sait pas qui c'est. Attendez, il faut. On va faire ça. Ah! Ah si, c'est carrément. Regardez, c'est toute la famille. Mais je ne peux pas y aller. Elles sont là, les filles! Naoki s'occupe de ses filles, donc c'est bien. Et cet appartement immense et vide. Voilà. Et une partie de la famille vient, mais je ne peux pas y aller. Et elle, bah, elle est bien enceinte et ça va pas tarder. Ouh! Viens là. Tu vas te faire une présentation amicale à cette demoiselle. Ah, j'ai commencé une réunion? Bah non, j'ai pas demandé en fait. Je pense que j'ai dû cliquer n'importe où quand j'ai essayé de rentrer dans l'appartement, mais ça n'a marché pas. Odile, tu fais ta cougar? Tu veux draguer des jeunes gens? Allez, c'est bien. Direct, attaque. Je suis comme ça, il va peut-être se sentir. Regardez-moi ça. Ouh là là, ça lui fait de l'effet, hein? Yo, dis donc. Qui est cette dame d'âge mûr, cette grand-mère, grand-mère mais jeune à l'intérieur quand même, hein, qui me drague? Qui est-ce donc? Non mais franchement, ils sont quasiment pas adressés à la parole quoi, tout va bien. Hein. Non mais, on y croit ou on n'y croit pas? Ils se sont quasiment pas adressés la parole, ils se sont que dragués. Et pouf! Ah, il lui a dit non. Il en a marre. Oh, prends une pose sexy. Ah, par contre, un petit roulage de pelle, ça passe. Il n'y a pas un petit buisson dans le coin? Non, tu es dommage. Mais bon, c'est pas grave, tu pourras l'appeler quand on sera à la maison. Tu pourras te faire plaisir, ma belle. Tiens, tiens, il y a Rosemonde qui est là. Tiens, tu vas dire à ta sœur que tu es enceinte. Ça pourrait peut-être lui faire plaisir. Wouah! Ok, d'accord. À peine on rentre chez nous que ça y est, il n'y a plus de neige. Va te faire une sieste, toi, parce que t'es en sale état. Oh, dire, oh, toi, tu vas y pisser peut-être avant de manger, non, quand même? Ça me semblerait plus utile de faire pipi, hein, au stade où t'en es. Et toi, bah écoute, ouais, vas-y, fais ta life. Odile, tu te reposes et appelleras. Après, tu appelleras ton nouveau chéri. Ah, je pense que tu pourras faire des galipettes avec lui. Ah ben voilà, ça va mieux, Odile, t'es guérie. Ah, ça fait du bien, tu vas pouvoir appeler ton mec. Gabriel, que tu connais à peine. Mais c'est pas grave, c'est pas pour ce qu'il a dans la tête que tu l'aimes déjà, c'est pour ce qu'il a dans le slip. Eh oui, il faut bien se le dire. Faut bien être honnête des fois. Odile, Odile, ton casse-dalle est là.
Ton casse-croûte est là. Mais où est-ce que vous allez encore? Ah, c'est pas possible. Vous allez pas aller à l'autre bout de la map là. Non, ça va. Vous allez juste là. Ok, très bien. Alors, Gabriel, est-ce que t'as dit de goûter le sexe avec une qui a de l'expérience? Oh ouais, carrément, tu vas m'apprendre des trucs. Lol. Et toi, c'est bientôt ton anniversaire et normalement Troy doit arriver. Faudrait. Il est là, ton amoureux. Regarde, il est beau, il est musclé. Ouh là là. Et il est en colère. Calme-toi. Tu es toujours ado, tu vas illuminer la journée. Tu vas essayer de le calmer, quand même. Ce serait pas mal. Discuter de la colère, allez. Voilà, il est. Mais viens, cocotte! Quoi, qu'est-ce que t'as, toi? Non, on s'en fout, toi. Tilda! Oh là 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 là. C'est quand tu veux. Ah! Alors, Gabriel? Odile, ça s'est bien passé? Vous avez fait crac-crac? Bah, vous allez y retourner? Hein? Vous avez de la jeunesse avec vous? Vous n'êtes pas obligé de. Non, alors pas de bébé. Non, 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 non. Les bébés, c'est fini là pour Odile. Hein. Si on en fait un, ce sera vraiment un bébé bonus, mais j'ai pas envie de m'emmerder avec un bébé en plus. Elle, elle est en train de. Ok. Et toi, tu discutes avec Troy. Tu vas être bécoté avec. Punaise, par contre, vous hurlez dans mes oreilles là. C'est bécoté avec Troy. Ouais, voilà. Va te bécoter avec lui dans le placard, qu'on rigole. Ça va être l'épisode du crac-crac. Hein. Attention, hein. On va se bécoter, on va se craquer. Regardez. Et en même temps en plus. Hop là. Dans le placard ici et dans le lit par là. Ça va? Tu te sens pas seul, Solveig? Ça sert à rien, toi t'es déjà en cloque, on n'a plus besoin de te faire crac-crac pour l'instant. Faut juste trouver ta prochaine victime. Fou! Oh là 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 là. Alors ma belle, ça s'est bien passé apparemment, hein? Allez, tu peux aller te coucher, voilà, il aura bien servi. Quand tu reviendras, ce sera pour un bébé. Et toi, Odile? Odile, tu vas te prendre un petit bain tranquille, tu vas nettoyer la baignoire et tu vas te prendre un petit bain de mousse. Voilà, ton petit amant, il t'aura bien réjoui, je pense. Hein? Je dois vraiment y aller, c'était très sympa, à plus. Bah écoute, mec, tu m'étonnes que c'était très sympa. À peine t'arrives, tu fais crac-crac et deux fois de suite et hop, tu repars. Forcément, c'était sympa. Bon, ma belle. Eh bien, elle apprend l'écriture. On est au troisième trimestre dans 21 h déjà, donc c'est cool. Tu vas pouvoir aller au pipi room, tu pourras manger et après tu pourras aller au lit. Oui, petite update! Eh ben, alors j'avais bien raison, on avait bien une des deux qui avait des jumeaux. Rosemonde a donc eu ses filles et Philippine a accouché. Et là donc, encore une fille! Aurélie! Oh, c'est super, j'ai hâte de voir leur petite bouille! Quand elles seront plus grandes. Bon, allez, ma belle. Je pense qu'il va être temps pour toi de dormir, hein, même si t'es pas très très fatiguée. Et moi, je vais vous quitter là pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Donc, prochain épisode, c'est la naissance déjà du premier enfant de Solveig. Et oui, ça promet. Les pronostics sont donc ouverts, fille ou garçon. Combien y en aura-t-il? Peut-être, vu que là, on a eu des jumeaux avec Rosemonde. Peut-être qu'on en aura avec Solveig. Qui sait? Ça pourrait être une bonne surprise. Allez, moi, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la page YouTube qui est dans la description. Et bah, rendez-vous pour le prochain épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge ou d'autres choses. Salut!